Et bien voilà, nous sommes ici à Bel Air, à La Rochepot. Et je peux vous dire que là, c'est blindé, blindé de monde, de voitures, de motos, de tout. En face de moi, Yves. Alors Yves, tu vas te représenter, bien évidemment, malgré que tout le monde se connaît. Ah, tu as quelque chose à dire? Oui, je te passe le micro. Oui, j'ai quelque chose à dire. Je ne suis plus le président. J'ai été détrôné, blackboulé, mis au placard. Et le président est là, c'est Pascal. Pascal, il arrive. Pascal Ligier, c'est lui qui est la bonne parole autorisée. Il est où, Pascal? Bon, il est en train de parler aux dames. Ah, bah ça m'étonne pas. Bah oui. Pascal. Tu peux pas nous dire un petit mot? Pascal, la parole est au président. Pascal. Ah. Bah oui, moi j'ai été mis au placard. Oui. Alors à toi. Bonjour. Eh ben voilà, vous allez rester tous les deux. Eh ben exactement. Vous allez se pousser parce que je vais me faire taillage. Ah oui. Oh, pas de souci. Alors, nouveau ancien président de cœur, toujours. Voilà. De cœur. Nouveau président de cœur aussi. Oh. J'ai la lourde tâche de suivre mon grand ami. Ça va très bien tout ça. Yves Bergeret. Et voilà, donc je suis très content de pouvoir animer. J'essaye de faire aussi bien que lui, mais c'est difficile. Regarde. Ah mais là, c'est magnifique. Hein. Regarde. Mais j'avoue qu'on est satisfait et par le temps. Ah oui. En plus, c'est un grand week-end de pont, donc ça nous amène beaucoup de monde. Il y a une jolie dame qui veut te photographier. Y compris de loin. On a des gens qui viennent de Tours, qui viennent d'un petit peu partout. Somme, les motos, tout à l'heure. Ouais, voilà. On y va. Et combien de voitures et de motos attendues? Ah ben, il faut demander à Christian, c'est le compteur. La dernière fois, on avait... Alors voilà, alors on va voir le... On va voir, franchement... Voilà, le jongeur. 430 actuellement. 430. Il y en a encore plein qui arrivent. Hein. Voilà, ça fera 431. On va encore dépasser les 500 comme la dernière fois. Magnifique. Et où on a malheureusement dû faire garer les voitures de collection en dehors du parking tellement il était rempli. Faut qu'ils viennent de bonne heure. Bah oui, mais ça reviendra au même. Ça reviendra au même. C'est toujours saturé. Si c'est rempli, voilà. C'est rempli. Et voilà, cher ami. Eh ben, une petite photo de vous deux. Et puis voilà, après je vous laisse. Bah voilà. Eh ben, merci à vous deux. Eh bien merci à la presse de s'intéresser à nous. Oui, tout à fait. Oui. Moi je ne suis pas une vraie presse parce que vous savez bien que vous êtes mon coup de cœur ici à Bel Air, donc je ne suis pas une vraie presse. En tous les cas, merci à vous deux puis à très vite, bye bye. Eh bien bonjour, eh bien aujourd'hui exceptionnellement, non, je ne vais pas vous montrer en premier des voitures mais je vais vous montrer des motos. Et ces gens en face de moi viennent de la Somme, mais pas que. Alors je vais passer le micro à Patrice puis il va nous expliquer, regardez, ils ne sont pas trois mais regardez. Eh oui, ils sont quatre. Alors, il est un petit peu plus petit que Snoopy, mon chien, mais c'est normal, moi, il paraît que c'est des poils, comme dirait Thibaut. Allez, je passe le micro. Alors, tu te présentes et tu nous dis un petit peu tout. Ben, bonjour Sylvie, je suis Patrice. Donc, on vient de la Somme. On est parti il y a une quinzaine de jours. On a descendu donc toute la France. On a rencontré des coins formidables, des gens sympathiques. Ensuite, nous avons pris le ferry à Toulon. Nous sommes allés en Corse. Et là, on a vu des paysages extraordinaires. On a rencontré des gens formidables. C'était une très très belle expérience. Et puis là, ensuite, là, on remonte et on s'est arrêté là dans une concentration de vieilles voitures. On rencontre aussi des gens formidables. Ben voilà, quoi dire de plus, on est très contents. Vous venez de où exactement? Nous, on vient de la Somme, à Morizelle, un petit village de 400 habitants, à 20 km d'Amiens. Ah ben ça va. Ouais. Ouais. Donc là, vous remontez tout debout ou vous arrêtez? Non, là, on va s'arrêter à Châlon-en-Champagne. Et ensuite, demain, on remonte chez nous à Morizal. Ça va être dur après 2 jours. Ah ouais, là, ça, en 15 jours, on aura fait 3000 km. Eh bien, parfait. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors, vous nous expliquez un peu vos motos? Alors, moi, j'ai une Vulcan Kawasaki 650. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a passé le permis avec ma femme il y a 1 an. Tiens, on va la montrer quand même. Ouais, voilà, ça c'est les Kawasaki 650, de très bonnes motos, très confortables. C'est très bonne moto. Il y a mon fils là, lui qui a la MT-09. Eh bien, il va peut-être pouvoir nous en parler. Ouais. Il va pouvoir se présenter. Donc je vais lui passer le micro, il va vous présenter sa moto. Bonjour, moi c'est Steven, le plus jeune de la bande, hein, comme on dit, le fiston. Moi je vais parler un peu plus quand même de leur moto parce que Donc vous avez une Vulcan S 650 qui est un petit peu plus custom en style Harley-Davidson, biker, avec les sacoches, tout ça, le cuir. Vous avez exactement la même, la 650 S, mais plus en mode moderne, custom, avec les petites touches de verre sur le guidon, sur le moteur, tout ça. Et puis vous avez la mienne, hein, une MT-09 simple, hein, c'est juste Yamaha MT-09. Pas beaucoup de custom, avec les gros sacs dessus c'est un peu lourd, mais bon ça va. Et puis voilà, et puis il y a le petit chien qui est sur la Vulcan, la petite Lily, qui s'amuse à sortir sa tête en roulant. Et maman va peut-être se présenter aussi alors. Elle a la voix un petit peu cassée, elle a pris un petit coup de froid en sortie de ferry. Alors. Bonjour Sylvie, ben, moi c'est ma moto, là, la Vulcan, hein. J'ai un petit peu la voix cassée parce qu'en sortant de Toulon... Ben, on s'était pas trop couvert, il faisait 15 degrés avec un ressenti de 10 à peu près, donc j'ai eu un peu froid, mais c'est pas grave. Ben, écoutez, on est très content d'avoir fait notre trip, c'était très sympa à refaire. Cette fois ça sera peut-être pour l'Italie, on sait pas, mais on le refera. J'ai 58 ans, donc je suis fière. Genre 58 ans le 26 juillet. Voilà, je suis fière de l'avoir fait, on n'est pas arrivé, mais ça va pas tarder, donc ça sera bien, voilà. Eh ben, merci à vous trois, puis en tous les cas si vous repassez par là, vous savez tous les trois que vous êtes les bienvenus, et puis ben on va se retrouver, ah ben voilà, le petit bouchon, et puis ben moi en tous les cas vous savez que vous êtes les bienvenus ici dans la région, soit ici à Bel Air le deuxième samedi du mois, soit à Pouilly là-bas sur le terrain de camping et tout, vous savez que vous êtes toujours les bienvenus, et puis ben bon retour, et puis ben bonne route à vous quatre, j'allais dire vous trois, je vais me faire mordre, merci à vous, au revoir, bye bye. Bonne route. Cette fois-ci, vous n'aurez pas encore de voiture, mais vous allez avoir des mobilettes, plutôt des 103. Enfin, il va vous expliquer, le monsieur en face de moi va se présenter, va nous expliquer le club qu'il y a d'arrivée. Je te passe le micro. Ok. Merci, bonjour. Donc en fait, on a un club, la JPA Arnais, et on a eu l'idée de faire une petite balade mobilette aujourd'hui pour venir à Bel Air, depuis Arnel Duc. Alors comment on fait pour vous contacter? Pour vous contacter, il faut regarder sur le site de la JPA, il y a un site sur internet avec toutes les manifs qu'on fait. Je fais également partie d'une autre association, c'est Festiquès à Châtaignelot. Et on va bientôt faire une autre balade mobilette aussi le 26 mai. Où ? Il y a encore temps de s'inscrire à Châtaignelot. C'est à côté de Puy-en-Auxois. D'accord. 21 320. Voilà, donc là on peut encore s'inscrire, il n'y a pas de souci. Tu nous en présentes quelques-unes, puis les gens qui sont avec dessus, parce que... Allez, on va aller... Donc principalement c'est Motobécane et Peugeot, hein, puisque c'était les deux grandes marques de l'époque. Il y a une autre, il y a une Honda, je crois, voilà. Mais autrement, la 103 qui est bien connue, et puis la Motobécane, la 51. Voilà, pour la majeure partie. Il y a une Peugeot 102 là-bas, qui est déjà un peu plus ancienne, mais qui roule très bien aussi. Bah, on va peut-être les laisser parler, ils vont peut-être nous présenter leur mobilette d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je vais passer la main. Tu te présentes et puis tu nous présentes ta mobilette? Bonjour, je m'appelle Yannick. On est une bande de copains d'Igornay. On a plusieurs mobilettes. On est venu pour s'amuser, rouler. Voilà, c'est fun. Puis, allez, où la tienne? Alors moi j'ai déjà la 51 rouge là. Qui a été toute refaite. J'ai la blanche aussi. Alors, faut quand même montrer qu'elle a été refaite et customisée avec le gobelet quand même. Ah non, on en a tous. J'ai la blanche aussi. Et puis voilà les copains. On est venus, alors qui c'est qui veut venir nous présenter sa mobilette? On va faire sûrement une assos. On a fait même floquer des t-shirts exprès. Ah ouais, tourne-toi. Ah ouais, super. Et puis voilà quoi. Et ben bonne route. Et ben merci à vous. À bientôt. Cette fois-ci, eh bien oui, ça va être ma première voiture à Bel Air et pas n'importe laquelle. Regardez si elle est jolie, elle est magnifique, un vrai petit bijou. Mais regardez, bonjour Sébastien. Alors Sébastien, vous vous souvenez, on l'a vu au salon de Beaune, où c'est qu'on avait fait la vidéo et tout, on avait vu 3 voitures dans des états complètement différents. Eh bien celle-là, c'était la dernière, elle est là, ici à Bel Air, elle roule et en plus elle est à vendre, il va tout vous expliquer Sébastien, la voiture, où c'est qu'on peut la trouver, comment on peut l'acheter, et puis ben, aussi sa société qui ici il a plein de monde, il est comme moi, il connaît tout le monde. Donc je te repasse le micro, bonjour. Bonjour Sylvie et bonjour à tous. Donc voilà, on va vous présenter cette magnifique 190 SL qui a été restaurée dans notre atelier. Et aujourd'hui, donc, nos clients veulent la revendre, se séparer pour refaire un autre projet. Donc on va vous expliquer un petit peu la restauration de ce véhicule. Donc c'est un véhicule qui roulait à la base. Nous l'avons tout démonté, on l'a sablé complètement. Et après, on a fait tout ce qui était la partie tôlerie, carrosserie, peinture et la mécanique. Donc aujourd'hui, je suis un peu au rodage. Voir les petites finitions à faire, 2-3 petits réglages, et donc voilà, le moteur tout a été refait à neuf, les trains ainsi que les réservoirs, les pneus, les freins, pare-brise, sauf la sellerie. Les clients ne voulaient garder que leur sellerie d'origine, garder la patine d'époque. Donc voilà, c'est un très beau véhicule qui a été expertisé en plus. Si on est intéressé, on t'appelle à quel numéro? Alors vous pouvez la trouver donc à la société Carrosse Auto Retro à Chalon-sur-Saône, et vous pouvez me téléphoner au 06 71 06 03 14. Et les heures d'ouverture? Alors 8h, midi, 14h, 18h, du lundi au vendredi. Vendredi 17h, pardon. Eh ben écoute, c'est parfait Sébastien. Impeccable. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Merci. Et puis on en profite pour refaire aussi un petit clin d'œil à Franck et Yves, parce que je sais qu'ils vont voir la vidéo et je pense qu'ils vont être intéressés par cette belle voiture. Donc merci à toi, et puis je vais te laisser aussi aller dire bonjour à tout le monde. Je crois qu'on va être dans le même coin là. À tout à l'heure, merci Sébastien. Et bien voilà, la concentration ici à Bel Air se termine. Eh bien, avec pas des moindres, avec Docteur Voiture, si je ne m'abuse, c'est ça? Le Docteur de l'Automobile. Je vais lui passer le micro, il va m'expliquer, mais regardez le joli bijou qu'il a. Moi, quand on arrive à ce niveau-là, c'est plus des voitures, pour moi, c'est des bijoux. Aussi vrai que des rivières de diamants, on pourrait dire. Je te passe le micro, tu nous expliques tout ça? Alors, voilà, donc, ça, c'est une Mustang première série qui ont été faites pour remplacer les anciennes, surtout, voilà. Donc c'est un 4 litres 6, 350 chevaux. Voilà, une très belle coupée qui rappelle vraiment les anciennes, quoi. Et toi, tu es qui? Eh ben moi, donc, dans ma région, dans Lyon, parce qu'ici on est quoi, en Côte d'Or, c'est ça? Voilà, et ben je suis donc le docteur de l'automobile. Et donc je suis de métier, je suis consultant de véhicules anciens. Donc j'ai un dépôt vente de véhicules anciens, je vends de la pièce, de la voiture, de toute marque. Et c'est où? Alors et c'est où? Alors je suis en Puzé, sur la commune de Tingy. Donc vous pouvez me retrouver sur internet, sur Facebook, sur TikTok, sur Insta. Docteur voilà. De l'automobile. Voilà, et vous tapez le docteur de l'automobile dans le 89 et vous me verrez donc sur la barre de Google, tout de suite ça apparaît par rapport au journaliste qui m'a appelé le docteur de l'automobile en 2015. Et ben moi je continue. Voilà. C'est dans la continuité. Et ben je te remercie. Et ben écoute, merci à toi pour cette interview et puis ben on se retrouve prochainement pour voir la super boutique alors. Pas de problème. Je te remercie. Au revoir. Bon week-end, au revoir. Parfait.